un colis ce matin. Mes copains m'ont offert le drapeau du Stade français. Comme s'ils ne savaient pas que je n'aimais pas le Stade français. Bon, je regarderai tout à l'heure. Mais franchement, ils abusent les gens. Déjà que je coche mon racier, j'ai du mal à m'en remettre. Je vais faire une dépression. Une dépression. J'ai du mal à m'en remettre. Oh les gars, qu'est-ce qu'on a fait hier face au Stade français? Ouais, hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a chié dans la colle hier. On a chié dans la colle. Là, c'est le moment de le dire, je crois. Hier, ouais, je mange mon chewing-gum parce que je suis tendu. C'est platonique dans ma vie. J'en cauchemare la nuit. Tout face à... On a le droit de perdre face à toutes les équipes, sauf face à celle-là. T'as le droit de perdre face à Toulouse, face à tout ce que tu veux, face à Lyon, sauf face à celle-là. Le Stade français, rappelons-le, il y a 2 ans d'arrière, ils doivent être en pro D2, ces mecs, en pro D2. Bizarrement, il se passe ce qui se passe. Bizarrement, ils descendent pas parce que c'est le Stade français. Ah oui. Mais voilà. En plus de ça, je vais commencer le débrief du match. Hier, dans leur effectif, ils avaient aligné Marcos Primer. Oh, t'es venu. Avant de venir à Perpignan, t'as mangé ton tacos ou quoi? Et t'as rebranché la carte mère à l'ordinateur pour qu'il marche, hein. Parce que hier, vous avez déconné à Perpignan. Hein. Enfin, on a perdu face à une équipe du Stade français de guignols. Face à une équipe du Stade français, c'était des guignols, les gars. C'était une équipe du samedi soir du Moulin Rouge qui allait chez Patrick Sébastien. Ils font tourner les serviettes. Voilà, on a perdu. On a perdu face à une équipe du Stade français de guignols. On a perdu. En plus, dans leur rang, ils ont un joueur, il s'appelle Arthur Covid. Lui, voilà le blaze qu'ils ont trouvé, mais... Arthur Covid, hier, il nous a tous contaminés. C'est le mot pour le dire, il nous a tous contaminés. À part monsieur l'arbitre. Monsieur Laurent Carbonate, ouvre les yeux, il y a carton rouge. À 13 minutes de la fin, il y a carton rouge pour du Stade français. Il y a carton rouge, tu lui mets pas. Il y a obstruction. Ah, mais c'est Perpignan. Ouais, c'est normal, hein. C'est quand c'est Perpignan, on ferme les yeux, quoi. On ferme les yeux. C'est une honte. On a clairement chié dans la colle hier. On a clairement chié dans la colle. Oh, le Stade français, ils allaient mal il y a 2 ans. Ils ont pris qui? Un consultant de canal. Thomas Lambert. Thomas le cal. Va manger tes calambars. Laisse-les tranquilles. Franchement, nous, on n'a pas fait mieux. On a été nul. On a été... On a donné des ballons à Makalou. Mais ce même Makalou doit prendre carton rouge. À la mi-temps, il y a 19 à 16 pour l'USAP. Mais Makalou doit prendre carton rouge dans ce match. Carton rouge. Il plaque Landaro sans ballon. Mais il doit prendre carton rouge. Et ce mec, Makalou, il s'est pris pour le capitaine. Il parlait sans l'arbitre et tout. Et on lui donnait les ballons en touche. Nous, on a des joueurs à l'USAP, ils ont dû louper leur vocation. Que ce soit Lucas Bellard ou Brice Tadjer. Une 3 fromages. Une anchois. Voilà ce qu'on faisait. Oh les gars. Tout mis sauf contre ce club-là. Tout sauf contre ce club-là. On a perdu face à une équipe de guignols, de trompettes. Voilà, il est temps que
Patrick Faritas, il nous laisse les Faritas, qu'il les laisse aux jeunes, pour la soirée, qu'on ait le temps de les manger. J'ai quelque chose à dire, les gars. Je suis très énervé, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai du mal à ouvrir les yeux. J'ai du mal à m'en remettre. Achète le SAP, achète la Pro D2. J'espère pas que ça va être vrai, mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Donc voilà. Donc voilà. Et surtout, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la... Voilà les gars. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Mais Inch'Allah, j'espère du moins que les Parisiens... J'espère que les Parisiens, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Je l'espère parce que ils ont fait... Ils méritent pas leur place où ils sont. Ils le méritent pas du tout. En tout cas, on se retrouvera les gars pour une prochaine vidéo face au débrief face à Bordeaux. Comme vous l'avez vu, je suis très en colère. J'ai du mal à m'en remettre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais j'espère que vous allez bien. Ça fait toute la journée que j'ai le chewing-gum dans la bouche parce que je suis très... Voilà. Voilà, j'ai du mal à m'en remettre. Et voilà, mais il est temps de se remettre en question côté USAP et se poser les bonnes questions. Et du coup, victoire du Moulin Rouge sur le score 23-22. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la au max et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien.